Qu'est-ce que tu fais, hein? Qu'est-ce que tu dis? Oh, j'aime bien les jeux pervers. J'aime ça. Oh non, c'est le méchant panzer. On va tous mourir. Non. Oh, j'aimerais voir souffrir Mario. C'est un jeu pervers. Hein? C'est un jeu pervers, mais... trop cool! T'es sérieux? Tu joues à des jeux pervers? Mais non, mais c'est n'importe quoi, ça! Écoute, chacun ses goûts, hein? Ah oui, le vidéo d'aujourd'hui est... Jouons à Senua Kagura de Deep Crimson. Avant que je joue, le jeu en lui-même, c'est un jeu de beat'em all RPG. Après la succession de Senua Kagura Birth, il a fallu que Marvelous fasse une suite. Oui, le jeu a été fait par Marvelous. Ça explique donc pourquoi. Donc, on a 10 personnages. On a Asuka, Igaruga, Katsuragi, Yagyu, Ibare. Ensuite, on a Omura, Ikage, Mirai, Haruka que j'aime le moins. Et Yomi, c'est toi? Mais qu'est-ce que tu fous là? Attends, je te connais, Yomi. Ah bah, tu te souviens dans Mario et ses amis complètement stupides, on a rencontré... C'est... Waouh! Qu'est-ce que tu fous là? Bon, bref, le jeu en lui-même, c'est un jeu de beat'em all, comme je vous l'ai dit, mais RPG aussi. Pourquoi? Ben... parce que... Ah oui, un autre truc... on peut changer de vêtements... Blablabla... Je préfère garder celui-là, mais je vais pas tout vous montrer quand vous voulez acheter le jeu. Enfin, je vais montrer quelques trucs, mais ça va prendre trop de temps. Donc je préfère vous expliquer seulement ça. On peut changer de vêtements, mais par contre, je peux vous expliquer aussi qu'on peut changer de expression. Ou bien encore changer de pose. Bon, qu'est-ce qui te choque? Culotte! Bon, bref, vous voyez ça, c'est la... c'est... voilà. Ça ressemble à l'académie de Hanzo. Non. Oui, en fait, ce jeu, c'est... en fait, il y a deux camps. L'académie de Hanzo et l'académie des bijoux. Mais là... il n'y a plus des bijoux parce que celle des bijoux a été détruite par Dogen. Eh oui, dans ce jeu, il y a un méchant. Qu'est-ce qu'on s'en fout? La ferme! Donc, dans ce jeu, le premier, on peut jouer en mode solo. Et dans le jeu, dans le deuxième opus, on a droit soit à un lot solo, soit à un mode coopération. Ce qui est génial, pendant qu'on y pense. Bon, je vais vous montrer le premier exemple. On va battre... Yomi, comme ce qu'on a fait durant les Mario et ses amis complètement stupides. Graphiquement, le jeu est assez beau pour une 3DS. Bon, la plupart des graphismes sont beaux, mais la plupart sont pas vraiment beaux, mais ça passe. Comme dans chaque jeu et beat'em all, on va battre un ennemi, puis une fois que les ennemis sont battus, on va passer dans une autre zone. Comme bon jeu beat'em all bien respecté. Ah oui, petit truc dont j'ai oublié de vous le dire, plus vous recevez des dégâts, plus vos vêtements se déchirent. Sans mal, sans mauvais état. Vous voyez ce que je veux dire. C'est pour ça que ce jeu est pervers. Mais c'est n'importe quoi, Mario! C'est encore plus n'importe quoi, avec tes plans surtout! Hey, c'est pas très gentil de ta part! Ça me rend tout triste! Qu'est-ce qu'on s'en branle? Bon, pour le moment, c'est un peu facile. Parce que pourquoi? Parce que je suis au niveau 18. Enfin, Ikaruga est au niveau 18. Et Yomi, niveau 16. C'est pour ça que c'est un peu facile. Pensez pas que ça allait être trop facile! Non. Tous les jeux récents sont assez faciles. Mais ce jeu-là, il n'est pas facile. Peut-être que
the need to say poor girl for rich. Oh non, arrête de parler des riches. Vous commencez à m'énerver avec l'histoire des riches. Ouais, je suis pas riche, je suis méchant. Yomi contre Yomi. Je vais pas refaire la gag parce que Cyprien l'a fait. Wow. Ah, stop. Ça suffit, arrête de parler des riches, espèce de poufiasse. Oh, quoi? Tu vas risquer de te faire frapper par Yomi. Oh, mais qu'est-ce que je m'en fous. Tiens, qu'est-ce que je disais? Quand vous recevez trop de dégâts, et ben leurs vêtements sont dans un mauvais état. Puis arrête de nous montrer des culottes et des boobs. Non! Bobby, ah, j'adore ce jeu. Ça m'étonne pas que tu adores ce jeu. C'est mon jeu préféré. Yeah! Hey. Quoi, Waco? C'est pas un peu pervers. Oh, ouais, oh! Bon. Maintenant, mode Shinobi. Ah oui, petit truc dont j'ai oublié de vous le dire. C'est que ce jeu est un aspect ninja. On peut se transformer en ninja. Ouais. C'est comme des Magical Girls. Au cas où, si vous n'avez pas compris. Je vais utiliser ma propre technique. Ah oui, quand vous êtes en mode coopération, vous pouvez faire un technique en mode coopération. Ce qui est génial pendant que j'y pense. Victoire. Oh, c'est bien fait pour toi. Bon, ça c'était le mode solo. Enfin non, ça c'était le mode coopération. Maintenant on passe au mode solo. Ah oui, petit truc dont j'ai oublié de vous parler. Vous voyez ce cœur là? Eh ben c'est le genre de relation. Oui, parce que c'est pas parce que vous êtes en mode coopération que vous pouvez pas mettre le cœur de relation. Bah ouais, c'est assez simple. Bon, maintenant passons au mode solo. Mais je vais pas battre un boss, je vais mettre au mode niveau beat'em all, comme tous les jeux beat'em all. Ah non, on s'en fout. On sait très bien ce qui se passe. Donc on s'en fout. Boobies. L'affaire, Mogi. Oui, on a compris. Oui. On a compris. Ou pas. C'est quoi cette tête de tout à l'heure? C'était rien du tout. C'est parti! Voici le mode solo. Pas avec quelqu'un, non, mais en mode solo. Comme je vous l'ai dit. Oui, on a compris. Il y a des ennemis méchants. Bon, allez, en mode Shinobi, Shinobi Tenshi, ça veut dire transformation de Shinobi. Comme Magical Girl, vous avez compris. Tiens. Wow, tu joues très bien. Merci. C'est une ironique. Je vais te tuer. Chargé. Oh non, pas un Shinobi Flow le volant. Je déteste ça, je vous le dis. Et voilà. Non. Ah.
Eh, tu reçois pas trop de dégâts, Mario. Ouais, Bowser, vu que je suis au niveau 18. Ah tiens, j'ai fini. Bon bah voilà, c'était le mode solo. Voilà. Allez, donne-moi un. Yeah. Ouais, je suis au niveau 19. Bon bah voilà, on a fait le tour. Certes, ce jeu est très cool. Un peu comme Splatoon ou tous les jeux, mais Pokémon Shuffle, c'est de la merde. Shuffle, oui, Shuffle. J'aurais dû le dire, Shuffle. Bon, enfin bref, ce jeu est beaucoup plus sympathique. Ben, si vous voulez l'acheter, bon, ben, il n'y a aucun doute. Mais si vous voulez pas, eh ben, faites comme vous voulez. Mais par contre... Oh, mais qu'est-ce que j'ai fait? Oh, oh! Mario, qu'est-ce que t'as fait? J'ai juste débarrassé un ennemi. Pour éviter de faire un coup macabinique. T'as quelque chose à dire pour la défense? Non. Ah, c'est très bien. Bon bah, sur ce, ciao ciao!